Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ici Aziz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous emmène en tournée avec mon groupe Bad Situation. Pour ceux qui suivent l'aventure depuis un petit moment, on a déjà fait une vidéo dans le même délire quand on est parti en novembre dernier que je vous mets dans la description si ça vous intéresse. Pour cet épisode-là, nous sommes partis en Belgique. Voilà, on est sorti de la France, on est parti se frotter à un public qui nous connaissait pas du tout. L'expérience était incroyable, elle était un petit peu trop courte à mon goût. Tiens d'ailleurs, pour le référencement de cette vidéo, vous allez me mettre en commentaire déjà si vous allez bien, parce qu'on est poli ici. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des noms de groupes belges. Parce que s'il faut revenir en Belgique et qu'il faut trouver des groupes avec lesquels jouer, eh ben écoutez, l'espace commentaire est là pour vous. Je compte sur vous. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à checker les réseaux de Bad Situation. Nous sommes actuellement en tournée pour la promotion de notre EP qui s'appelle Electrify Me, qui est sorti en novembre dernier. On va jouer sur plusieurs festivals cet été. Bref, je compte sur vous pour monter dans le bateau, pour le bien du rock, tout simplement. Donc, je me tais et je vous laisse avec la vidéo. On va mettre que 4 avant le départ en fait. Maintenant que j'ai pas besoin de mettre l'espace, en fait les 1, comme je tape dessus, forcément je suis concentré sur le 1. Du coup le fait d'en avoir 8 avant de commencer, avant de te faire le départ, c'est trop long. Parce que là tu vois j'ai fait genre 1, 2, 3, 4. Il fallait attendre 4 de plus. Ah ok. Zéro projection, toi. Maman, tu sais ce que je veux pour Noël? Non, mais c'est. C'est jazz. C'est une cymbale effect. Ah, oui, oui. T'as vu, les mecs, c'est tu fais de la batterie. T'as vu cette vidéo? On va la snap. Et les gens, ils sont autour, ils font. C'est là où ça me dépasse. Une fois que la répétition était terminée, on a tout remballé, on a tout mis dans le camion. Et là, pour le coup, on a sorti pas un van 9 places comme d'hab, on a sorti le combi que vous pouvez retrouver, voilà, qui est notre mascotte, que vous pouvez retrouver dans notre clip Are You Satisfied? T'as de la batterie dans ton autre appareil? Faut que je le mette à charger. Pour moi, ces derniers temps, dormir était une option. Donc, dès que je pouvais me reposer, je le faisais. C'est à ce moment-là qu'on peut voir vraiment les deux personnalités entre Lucas et moi. Où Lucas est vachement plus bricolo, il arrive à vachement plus s'occuper. Et moi, en fait, qui essaye de passer le temps comme je peux.
c'est maintenant, rapprochez la table. Il y a un des batteurs qui a joué avant qui me préférait une snare. Ah, on a troué la snare. La fin de la tournée va être épique. C'est la première fois que ça nous arrive. Tu vois, la première fois en Belgique. La première fois que ça m'arrive. Il était précoce. Il était trop excité de jouer en Belgique. Vous voyez dans quel état vous le mettez. Oh là là, c'est magnifique. Fais-lui un bisou, Voilà, c'est ça le rock, putain. Un petit peu d'amour dans ce monde de brut. Ça filme là ? Ça filme. Quoi ? Donc là, Arlon, on a fini de jouer, on est actuellement à l'entrepôt là. Chargement pour aller à Namur. La soirée était hot. Du frit de corps. Non, c'est tout le temps les mêmes qui viennent pas poster des critiques et des trucs comme ça, non? Bon. T'as des mecs qui reviennent, c'est sûr. Ouais, t'as des mecs qui reviennent, ouais. C'est assez quotidien en vrai. Mais après, tu signes avec. Hein. Quand on voit tous les trucs cool que ça nous apporte, oui. Tu te dis, bon, allez. C'est aussi pour ça qu'on veut tourner un peu plus à l'étranger, parce qu'en vrai, je pense pas qu'en Irlande, ils connaissent ce que je fais, tu vois. Donc t'es vraiment, du coup, jugé par rapport à la musique que tu fais, ta prestation. Ce que tu donnes aux gens, je pense que j'ai aussi la bonne école, quoi. Tu vois, par exemple, j'écoute du métal depuis que j'ai 10, 11 ans, 11, 12 ans. Je sais plus quel âge on a quand on est en 6e. C'est ça, 11 ans, ouais. Tu les connais au final, les mecs. En fait, c'est des schémas qui se répètent infiniment. Ouais, Smart décapotable qui a pas de pare-brise. Ah, c'est un concept, ça. Donc j'ai encore Cotid, ouais. Son paquet rouge ici, clear Cotid. Alors, le petit truc, voilà, dans ce périple belge, c'est que on tourne depuis un petit moment. Donc à un moment, le matos s'y tient plus. Donc en fait, Lucas, tout au long de ce périple belge, j'essaye de lui faire acheter des cymbales. Aziz, ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut faire craquer Lucas? On essaie de lui faire acheter des cymbales. On lui essaie de lui faire acheter une crash. Parce que Lucas, il a des cymbales totalement défoncées. Tout autant que sa snare. Peut-être que si je lui mets direct dans les mains. Je sais qu'il joue avec des Indians, je sais qu'il joue avec du K. Il met une cluster. Il m'a dit. Cluster. Cluster crash. C'est ça. Allez, on va lui donner. Il n'y a pas de prix, c'est gratuit. C'est vrai qu'il n'y a pas de prix. C'est plus traditionnel. Ouais, vous est probablement mieux si vous ne connaissez pas les notes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je veux pas que je regarde. Ça n'a jamais coûté 1100 euros. C'est un truc de ouf. Non, c'est impossible. 1120 une cymbale, j'avoue. Mister Crash en 20, il la font à 520. 520. Ouais, c'est 500 euros quand même. L'usure. Il faut finir. L'usure. Non, non. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. On l'a pas eu à l'usure, putain. Non. T'as changé, hein. Ça, c'est bien. T'as qu'une vie, Lucas, ou pas? Moi, je pense qu'à un moment donné, faut que tu t'affirmes dans tes choix. Putain, c'est. On commence à avoir de la bonne musique, Aziz. Ah oui. J'adore le catch. Mais c'est Metallica ou quoi? De quoi? Regarde, c'est du... Le jaune et noir, c'est tendance. Hey, yeah.
Donc deuxième date, Belvédère à Namur. Salle incroyable, voilà, Belvédère avec une super vue, etc. On avait d'ailleurs vu qu'il y avait le groupe Sidi Larsen qui jouait deux semaines après nous. Franchement, j'aimerais refaire cette salle-là parce que pour le coup, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Voilà, clairement. L'accueil était top, les gens étaient aux petits soins. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment une vraie barrière entre la France et la Belgique et au final, non quoi. On était clairement comme à la maison. Cafouillage. Mais... ah, c'était bien. C'est cool. Sauf que c'est... j'ai bossé, hein. Et donc voilà les amis, c'était notre petit périple belge. Merci à toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Merci aux organisateurs qui nous ont fait confiance. On compte revenir en Belgique parce que franchement, il y a vraiment un truc à faire. J'ai comme l'impression que cette prise de risque-là nous a quand même apporté beaucoup plus de positif. On a eu très peur avec cette histoire de prévente, mais à chaque fois, il y a eu du monde au concert. Je suis très très content d'avoir fait ce petit périple belge. Et voilà quoi. Donc, les amis, je vous laisse là. N'hésitez pas à nous suivre ou à venir nous checker si on passe à côté de chez vous. On s'appelle Bad Situation, on est là pour le rock et pour casser des gueules. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Yeah! Oh, t'es là, t'es posé, tu fais une petite sieste. Petit souci technique. T'as que dit, t'as que dit. Bon, au niveau de la stratégie, c'est, tout s'est pas passé comme prévu. Au niveau des coéquipiers, ça a manqué un petit peu de cohésion de jeu. Faut dire que bon, on avait une formation avec beaucoup trop d'ailiers. Je sais pas, les passes en profondeur ne passaient pas, tout était fauché dans la surface. C'était vraiment dur. Bon, cette première mi-temps face à la Belgique. Attends, j'ai envie d'éternuer, j'arrête. Oh ! Donc je disais face à la Belgique, les Diables Rouges. Comme ils se font si bien appeler. Aujourd'hui, c'est pas les diables qui sont rouges, c'est la batterie, c'est le voix en batterie qui est rouge.